Les amis, re-bienvenue dans la dernière vidéo. On en était resté à 7 mains. Elle n'avait pas été soudée. Je vous avais dit pourquoi. Et maintenant, il est temps de l'habiller, lui mettre des cheveux et surtout un socle. Les amigos, pour cette troisième partie, le but c'est de la finir cette sculpture. Tout de suite maintenant, pour lui faire ses habits, je vais utiliser du scotch papier. Le scotch papier, il va simplement m'aider à créer un gabarit. Enfin, si j'arrive... Ah, ça y est! Voilà, il fallait déjà que j'arrive à l'ouvrir. Donc je vais scotcher en forme de maillot de bain avec plein de petits morceaux de scotch. Je vais le retailler directement sur la sculpture. Et ensuite, ça me donnera un gabarit pour découper dans un tube en cuivre. J'ai un petit morceau de cuivre, donc on va lui faire un maillot de bain. Et tout en continuant à poser mon scotch, je vais en profiter pour vous dire que déjà, si vous n'avez pas vu les deux premières parties, eh bien, allez les regarder, c'est bien de savoir d'où on part. Et ensuite, je vous le rappelle, j'ai un objectif hyper ambitieux pour 2024, c'est de réussir à terminer l'année avec 100 000 abonnés sur YouTube. Donc, je compte sur vous, abonnez-vous, partagez, likez les vidéos, donnez-moi du courage. Et bien voilà, ça y est, j'ai mon maillot de bain. J'ai pu maintenant qu'à m'en servir pour reporter les côtes sur un morceau de cuivre et former mon maillot de bain. Bon, faut quand même que j'arrive à le retirer. Les amis, voilà ce que ça donne avec l'habillage. Moi, je suis assez fan de ce que ça donne. Surtout le maillot de bain là, avec le petit flow, la ceinture tressée. Moi, je trouve que ça en jette. Maintenant, il reste la main à souder. Par contre, je l'avais mentionné dans la précédente vidéo, je voulais que le socle soit fait pour que la main elle soit correctement en place et qu'elle soit dans une bonne position. Donc, avant de terminer ça et les cheveux en dernier, on va faire le socle. Pour le socle, histoire de rester sur un thème marin, je vais utiliser du bois flotté. J'ai plein de morceaux comme ça de bois flotté. Celui-là, que je trouve super bien. Donc, je vais enlever le sable, le nettoyer un petit peu. Et c'est ça qui va faire le socle de la sirène. Première étape, les amis, c'est déjà d'enlever le sable. Parce que mine de rien, il y a plein de sable dans les interstices. Et dire que... les gens, quand ils viennent en vacances, il y en a beaucoup qui ramènent une poignée de sable de l'île de Ré avec eux. Et moi, je l'enlève. C'est fou quand même. Ce que j'ai en tête pour le socle, c'est d'utiliser ce morceau de bois ici. Et celui-ci, je pense qu'il va venir à peu près comme ça. En fait, les superposer. Donc là, il n'est pas très stable. Il va falloir que je le stabilise. Et la sirène qui va venir en appui sur celui-ci. Bon, déjà, pour le stabiliser, il y a ça, épée de ninja. Oh!
Ça y est, maintenant que le socle est fait, je peux poser la dernière main. Ça fait une bonne grosse demi-heure que je bataille sur l'inclinaison des doigts, etc. pour qu'il soit bien. Je veux qu'elle attrape le morceau de bois. Là, je suis pas mal. J'aurai des petites finitions à faire. Je vais la pointer très doucement pour pas faire brûler le bois. Et ensuite, je vais l'enlever et souder tout ça. Bon les amis, on est à la partie qui me stresse le plus. Depuis que j'ai commencé cette réalisation, du moins depuis le tout début à laquelle j'ai pensé cette sculpture, ce qui me stressait le plus, c'était les cheveux. Donc je savais déjà que les cheveux, je voulais le faire avec des câbles de frein. Par contre, avant ça, j'ai jamais soudé des câbles de frein. Enfin, du moins j'ai essayé une fois il y a très longtemps et c'était parti en cacahuète, le câble il s'ouvrait, etc., etc. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai le high wave, j'ai la fonction tac, où j'ai plein de réglages possibles que j'avais pas avant. Je devrais maintenant réussir. Donc, je vais faire quelques tests pour trouver le bon réglage et pas aller directement sur la tête. Et il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive à tout prix parce que j'ai pas prévu de deuxième solution pour faire des cheveux. Ça y est les amis, encore quelques secondes et cette fois elle est totalement terminée. Elle est posée sur son socle. Je la regarde une dernière fois avant de la tourner. Tout est bien, je suis fan. Je suis complètement fan du résultat. Des effets avec la patine, enfin les patines. Et voilà. Alors vous la voyez d'un petit peu loin pour le moment. C'est juste le temps que je vous dise quelques mots et ensuite je vous ferai un gros plan. Cette sculpture de sirène, elle m'aura demandé un travail énorme, mais franchement le résultat, il en vaut vraiment la peine. Les cheveux, c'était ce qui me faisait le plus flipper. Au final, je suis content. Je suis content. D'ailleurs, c'est avec grande impatience que j'attends de lire vos commentaires sur cette réalisation, ce que vous en pensez, si vous aimez, vous aimez pas, peu importe, donnez-moi votre avis. Dans tous les cas, il y a encore de très nombreuses réalisations à venir. Il y en aura forcément une qui vous plaira et une qui vous déplaira. Et pour finir très rapidement, avant de vous faire un zoom sur cette sirène, j'en profite pour remercier absolument toutes les personnes qui sont restées juste à maintenant, qui ont regardé les trois vidéos sur cette réalisation, qui ont partagé, liké et bien plus encore. Un grand merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier mon recyclard sur YouTube. Mais n'oubliez pas que j'amène aussi énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à m'y rejoindre et je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.